Je vais commencer par une citation. Plus tard, quand tu seras devenue une femme, je ne sais trop ce qu'on dira de moi. Je n'ai jamais réussi à avoir un bulletin plein de A. Je crois que j'aurais été tout au plus une femme populaire. La popularité, c'est quand ceux qui nous aiment de façon inconditionnelle, quoi que nous fassions, et que ceux qui nous détestent aussi de façon inconditionnelle, même si ce que nous faisons est bien. Eh bien, la personne qui a écrit ce magnifique paragraphe, il faut bien le dire, qui s'adresse à sa petite fille, vous la connaissez tous et toute cette personne-là, je peux dire quel que soit votre âge. Il s'agit de Lise Payette. Alors, Lise Payette a influencé énormément le Québec au complet, on peut le dire comme ça. La cause des femmes a été la cause pour laquelle elle s'est battue toute sa vie et pour laquelle, octogénaire, elle continue de se battre. C'est d'abord une écrivaine de scénarios de télévision. Plusieurs d'entre nous, ont connu les Dames de cœur, bien sûr. C'est une journaliste, c'est une animatrice. Certains se souviendront de Appelez-moi Lise. Et ça a été, bien sûr, une ministre de René Lévesque, qu'on a beaucoup aimée, qui a influencé énormément le Québec. Et cette femme a une, disons, un leitmotiv qui est très significatif et que je vous lis. Ce n'est pas plus fatigant de vivre debout que de vivre à genoux. Et c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie, qui est vraiment passionnante à lire. Ce livre est une réédition augmentée de beaucoup de choses, entre autres de la mort de son conjoint, qui a été un bouleversement total dans sa vie. Elle se livre complètement, sincèrement, avec amour.